Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je reviens encore pour une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà, enfin je ne sais pas si elle sera encore diffusée ou pas. J'ai fait un mini-album. J'ai fait un mini-album. Donc, elle sortira quand la personne à qui il est destiné l'aura vue. J'avais posté sur Instagram une carte que j'ai faite. Voilà, comme ceci. Sauf qu'au lieu d'être une carte checker, c'est une carte avec du gel. Donc, voilà, on a l'impression que la sirène, on la voit d'un hublot. Voilà, et puis quand vous bougez le gel, ben voilà, avec les petites bulles, petits bancs de poisson, et puis là, ben, vous bougez les bulles comme vous voulez, avec un petit coquillage, un petit sentiment. Et là, je dois la terminer avec de la cordelette. De la cordelette. Voilà, pour que ce soit un peu mieux fini. Donc, voici ce que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Et là, je vais vous basculer plus sur mes mains pour vous faire voir où j'en suis. Je ne l'ai pas encore fini dans mon album Chabi. Vous savez que Chabi et moi, ça fait deux, hein. On va pas se mentir. Moi, c'est surtout le vintage, mais après, il faut savoir sortir de sa zone de confort et puis tout essayer. Alors, c'est vrai que le Chabi, j'ai quand même. C'est pas que j'ai du mal, mais pourtant, c'est mes teintes préférées, hein. Je suis vraiment dans le rose, le mauve, le blanc, tout ça, il n'y a pas de souci, sauf que. J'ai beaucoup de mal à travailler le chabier. En même temps, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup, donc voilà. C'est à force de s'entraîner qu'on arrive à faire les choses. Donc, je vous bascule. Ça va bouger un petit peu. Je suis désolée. Je vous bascule un peu plus bas pour vous faire voir. Donc, l'album fait 19 par 19, il me semble. Donc là, j'ai mis une dentelle avec des perles, des roses en tissu, des plumes. Là, je n'ai pas fini, il me manquait un embellissement ici. J'ai mis un chipboard. Je ne sais pas pourquoi le zoom joue. Photo et un embellissement bois que j'ai peint en forme de cœur. Je n'ai pas encore décoré la tranche, donc je l'ai fait avec une collection Wending de chez F Déco, et l'arrière se présente comme ceci, mais je vous dis c'est pas fini encore. Donc voilà, donc ça c'est l'avant de l'album. Je vais me reculer un peu parce que là je ne peux pas zoomer. Donc la fermeture est aimantée, hein. Donc il se présente comme ceci, avec une ouverture là, un rabat comme ceci, pareil aimanté aussi, ici toujours aimanté, donc avec un dice de bordure ici. Ensuite, on a ici, ici avec là un tag pour mettre du journaling et ici une pochette, pareil avec une découpe de bordure. Donc il se referme comme ceci et il est aimanté. Ensuite,
Nous avons une grande place photo sur le rabat d'ici où j'ai mis une rosace que j'ai faite. Donc le rabat, pareil, peut contenir une grande photo. Ici, une pochette avec un livret où on peut mettre 4 photos. Et monter toujours pareil. Alors ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc là c'est aimanté aussi. Ça laisse une grande page pour mettre des photos. Et ici, j'ai 2 rabats et possibilité de mettre du journaling ou une petite photo. Ça se replie comme ceci et ça vient s'aimanter. Là, j'ai 2 pages en miroir. Voilà. Donc là, très très simple. Il n'y a pas de rabat. On peut mettre là du journaling, une grande photo avec un coin ici. Ici, pareil, j'ai pas collé jusqu'au bas, enfin jusqu'au haut plutôt. Ici, pareil, une petite carte de journaling. Donc, quand on referme, on a l'effet miroir. On a cette partie-là. Alors, pareil, toujours aimanté avec, bah là, j'ai mis. Des perles et des strass, un dice de bordure. Donc ici, de quoi mettre du journaling. Ici, petite photo ou journaling. Et ici, pareil, photo. Ici, une grande photo. Et la page est aimantée aussi. Ensuite, désolé, c'est les chiennes. Ensuite, ici, nous avons une pochette où j'ai mis un tag, pardon. Ici, de quoi mettre une grande photo. Ici, un titre. Pourquoi il ne me fait pas le focus? Je bouge de trop. Donc là, un titre. Derrière, on peut mettre une photo. Ici, 2 poches où on peut mettre une photo en fond. Et là également, un petit livret où on peut mettre 4 photos. Donc après, soit la personne met une grande photo en fond et soit elle ne fait que le petit livret. Donc voilà, ici fermé avec un aimant, des rabats. Une cascade où on peut mettre 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 photos. Donc tenues par un rabat aimanté comme ceci. Et là, nous avons un petit rabat, un grand rabat. S'ouvre jusque là. Ici aimanté, de quoi mettre une photo avec là un dice de bordure. On va pas trop bouger. Là, la place de mettre une autre photo. Ici aussi,
ici aussi. Et ici, ça s'ouvre en deux pour pouvoir remettre soit du journaling ici, soit des petites photos, une grande photo sur le fond. Voilà pour... Non, vous voyez. Christelle, tu veux que je te l'envoie celui-là? Et là, c'est aimanté et ça se referme. Et c'est la dernière page de cet album. Donc vous voyez, il s'ouvre. Bon, bah là, j'ai les roses, hein, donc forcément. Mais sinon, il s'ouvre impeccable. Bah, sauf que là, il faut que je renforce mon aimant ici. Donc voilà. Voilà le petit chabi qui est encore en cours, mais qui ne saurait tarder d'être fini. Voilà. Et ben je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis ben, bonne fin de vacances et bon courage pour ceux qui vont reprendre. Et à une prochaine vidéo. Bye bye!